Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission Écho des Aides, le magazine de l'information qui se veut en trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, Écho des Aides est dans l'une des plus importantes wilayas de l'ouest du pays, à savoir Mascara. Bienvenue à vous tous. Une fois encore, merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine Écho des Aides, qui, je le rappelle, est ce soir à Mascara, l'une des plus importantes wilayas de l'ouest du pays. Et je suis en compagnie de Monsieur Omar Webhi Wali de Mascara. Monsieur Wali, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien pour le compte de l'émission Écho des Aides sur Canal Algérie. Ben, vous êtes les bienvenus. Et je suis très content que vous êtes venus pour vous inquiéter ou vous préoccupez de la wilaya de Mascara. Et je suis un responsable qui est beaucoup habitué à Canal Algérie pour les émissions concernant les collectivités territoriales. Merci beaucoup. Alors, Écho des Aides, ce soir, s'est intéressé donc à plusieurs secteurs, notamment celui de l'industrie et également l'autre secteur stratégique, celui de l'agriculture. Si vous permettez, Monsieur Louali, Madame, Monsieur, nous vous invitons à suivre ces reportages consacrés donc à la wilaya de Mascara et nous allons revenir pour l'entretien avec Monsieur Omar Webhi Wali de Mascara.
حوالي 40 سنة. يعني المرحلة الأولية التي قامت بها المحطة المعدنية هي رينوفي 12 شامبر بور أوتيل بنشجران كمرحلة لاستقطاب الزوار فيما يخص وإعادة قيمة المحطة المعدنية لبحرين فيها. تكون السبا ثيرمال من جناحين، جناح أولي فيما يخص الرجال وجناح ثاني فيما يخص النساء، ويتكون من جاكوزي، فابوريوم، بيسين وسي شامبر انديفيديال. Et pour appuyer et soutenir les structures hôtelières déjà existantes à Bouhnifia, un investissement privé a été concrétisé en 2019. Il porte le nom d'Aquasirens, ou l'ancienne appellation de Bouhnifia. Un hôtel d'une trentaine de chambres, répondant aux normes et aux standards internationaux de l'hôtellerie. Il y a 3 ans, que je travaille ici. Donc cet établissement, c'est un hôtel thermal Aquasirens. Donc il a une capacité de 35 chambres, donc de différents types. Nous avons plusieurs étages de l'hébergement. Donc, et par rapport aux prestations que nous offrons ici, donc nous avons plusieurs prestations telles que le spa, la restauration et l'hébergement. Nous essayons d'offrir le meilleur de nos prestations pour les clients. Avec ses chambres single et double, en plus de l'hébergement, cet hôtel assure également la restauration et les prestations de bien-être au magnifique spa. Un spa est dirigé par une jeune équipe qualifiée qui donne le meilleur d'elle-même pour satisfaire sa clientèle. L'hôtel est équipé. Je viens juste de sortir du hammam. C'est un autre monde. Avec les moyens, avec le jacuzzi, avec le hammam, avec le massage, avec le couche. C'est un homme qui vient ici. C'est le meilleur hôtel. Il est équipé. C'est des gens serviables. C'est des gens qui sont avec. Le spa est doté d'un hammam, d'un sauna scandinave. Vous avez un jacuzzi et un bloc thermal. On travaille avec de l'eau thermale. L'eau thermale de Bouhnifia, elle est classée deuxième mondialement au niveau des vertus. Et en plus, on fait plusieurs types de massages, des massages relaxants, tonifiants, anti-stress. Et puis, on a aussi une chambre pour tout ce qui est physiothérapie, des soins, kinésithérapeute. Voilà, je travaille avec deux équipes. Le matin, on commence de 9h jusqu'à 15h, un groupe de femmes, on a la réception des femmes. Et on a 1 heure de pause et on réception des hommes à partir de 16h, de 16h jusqu'à 22h. Aquasirens vient de dresser la barre très haut aux futurs investisseurs qui devront exploiter les différentes parcelles des deux zones d'expansion touristique de Bouhnifia, dont l'opération de dégel a été enclenchée par la direction du tourisme. On a enregistré pour la wilaya de Mascara 2 ans d'expansion touristique. Pour la période actuelle, on essaye de lever le gel pour débloquer les poches destinées pour recevoir les équipements touristiques, pour améliorer la prestation touristique au niveau de la zone de Hammam Bouhnifia. Parlons des 2 ans d'expansion touristique, surtout la zone de Bouhnifia qui enregistre un flux touristique très important vu la station thermale de Bouhnifia, qui en même temps on propose ou on envisage l'inscription de plusieurs projets d'investissement touristique pour le prochain Inch'Allah bi'idnillah, pour améliorer l'activité touristique. En même temps, on envisage
On envisage l'aménagement de la zone d'expansion touristique. Le Hamet, c'est une zone d'expansion très vierge qui mérite de recevoir un équipement touristique de grande valeur pour la région de Mascara. Dans la wilaya de Mascara, plusieurs projets d'investissement hôtelier sont enregistrés, dont certains sont à l'arrêt en raison de financement. Pour les projets inscrits à la wilaya de Mascara, on a 20 projets avec une capacité d'accueil projetée à peu près 1850 lits, dont 5 projets en cours, avec un taux d'avancement entre 25% et 98%. Deux projets achevés, non exploités, manque d'équipement, 5 projets à l'arrêt, des problèmes financement et des problèmes de financement et 8 projets non lancés, problèmes d'assiette et problèmes de financement. Et parmi ces hôtels, on compte l'hôtel Arachidia, un établissement dont le taux de réalisation avoisine les 98%. Avec ses 36 chambres, dont 4 suites, sa salle de restauration, salle des fêtes et salle polyvalente, cet hôtel tentera de satisfaire la clientèle de la commune de Mascara et commune avoisinante. On a 60-70 personnes qui sont polyvalentes. Je n'ai aucun problème avec les services concernés en ce qui concerne la wilaya de Mascara, ainsi que le ministère, la direction du tourisme. L'autre bijou architectural qui vient conforter le parc hôtelier assez ancien, estimé à 1448 lits, l'on cite l'hôtel Almoravide. Entré en exploitation en 2022, cet établissement hôtelier est doté d'une centaine de chambres, dont une suite présidentielle. Un grand restaurant de 300 couverts. Une salle de conférence d'une capacité d'accueil de 800 personnes. D'une salle de fête de 300 personnes. Une cafétéria, mais également d'un magnifique spa aux différentes prestations de bien-être. En plus de tous ces services, l'hôtel Almoravide offre une magnifique vue imprenable sur le tout Mascara. فندق المرابطون هو مشروع استثمار محلي سياحي لولاية معسكر وهو الفندق الأول في ولاية معسكر الذي يراعي المعايير الدولية للفندقة لتصنيف الفندقة من 4 نجوم ونسعى لتقديم خدمة أفضل بمعايير دولية لزبائننا الكرام. Nous avons fait l'effort de mettre en place et de mettre à la disposition de nos clients l'équipement et les services les plus développés en matière d'hôtellerie et de tourisme. Nous avons plus de 124 chambres avec des suites junior, senior et une suite présidentielle. L'hôtel aussi comporte une piscine couverte, chauffée en 4 saisons, adaptée aux besoins de tourisme ou thérapeutique pour les clients. L'hôtel emploie aujourd'hui environ 60 personnes. C'est des jeunes Algériens issus de l'école algérienne. Nous avons fait l'effort aussi d'associer les centres de formation locale, à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Nous avons donné la chance aux étudiants, aux élèves et aux diplômés algériens de l'école algérienne, des institutions hôtelières et autres de l'Algérie, de la région. Nous sommes en train de les développer, de mettre à leur disposition un programme de formation assez développé, orienté vers la satisfaction client, le développement des services et l'écoute client. Mal-
malgré les structures hôtelières qu'on vient de présenter, l'investissement touristique reste en deçà du grand potentiel d'une wilaya touristique et historique. ساهمنا فيها غرس نقع مختلف انواع الكروم العنب مختلفين على مساحه تقدر ب 20 هكتار نشغلوا يد عامله حوالي 20 عامل قبل ما نغرسوا قنا وصلنا مشاكل في الكهرباء قمنا بوضعنا ملف المستوى سونار غاز معسكر بعد تهلنا تعطينا الكهرباء الريفيه ربط المستثمر بالكهرباء الحمد لله لقينا جميع التسهيلات قبل كنا نعانوا في الكهرباء خاصه في فصل الصيف كان يشد كان هناك انقطاع الكهرباء وهذا انقطاع الكهرباء يخلف خسائر الحمد لله يا ربي اللي الدوله عاونتنا وسخرت لنا وساهمت وساعدتنا جميع الامور باربطتنا هذه المستثمر هذه مستثمر تاع بطاطا حوالي 20 هكتار بطاطا وانا جعلنا البصل وعندنا من القمح حوالي 10 قطارات ونشكر المصالح تاع السونار غاز ومصالح الفلاحيه تاع ولايه معسكر اللي ساعدتنا وربطت لنا الكهرباء الحمد لله رانا دروك رانا نحوسوا نزيدوا انفستو في سوالح واحد اخرين الحمد لله راه عندنا حوالي 50 قطار هنا تاع ارض لازم نخدموها والحمد لله يا ربي. Le raccordement de leur exploitation en énergie agricole a mis fin des années de calvaire et d'incertitude. La subdivision de Gris compte une soixantaine d'agriculteurs concernés par l'opération de raccordement à l'électricité. Comme vous l'avez remarqué, c'est une exploitation importante. On fait l'accompagnement, on facilite à toute personne et on a l'intention de développer son exploitation. Bon, on l'avait fait, on a réalisé pour un bon nombre d'agriculteurs. Il reste d'autres rames en cours. Nous sommes prêts, disponibles à l'appel, aux doléances de ces gens-là. Non loin de Frouha, et à Sidi Qada très exactement, les Abou cultivent depuis des années de la pomme de terre, une pomme de terre de qualité. D'une superficie de plus de 10 hectares, cette exploitation est depuis une année et raccordée à l'électricité agricole, ce qui a permis à ces agriculteurs de voir leur production augmenter et leur facture de dépenses baisser. La مستثمرة الفلاحية مساحتها حوالي 10 هكتارات تنتج البطاطا
وبالحقيقة كنا مغبنا احنايا ركبوا هذا التركيب الكهرباء الفلاحية لتسهل على الفلاح بالإنتاج تاعه بالجودة، والمستثمر الفلاحي عنده رؤية مستقبلية في توسيع المستثمرة هذه إن شاء الله بعون الله. L'accompagnement et le suivi des autorités concernées locales est quasi quotidien, à l'écoute de l'agriculteur pour lui venir en aide dans le cas de besoin. دعم الرشيد للفلاحين يتقدم الفلاح ببطاقة البيانات زائد نسخة من بطاقة الفلاح وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية يستفاد من الأسمدة من الرشاش من أجل السقي للمنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب. L'opération de raccordement à l'électricité par la société algérienne de distribution Sonelgaz de l'ensemble des exploitations agricoles dans la wilaya de Mascara se poursuit, en n'épargnant aucun effort, grâce notamment à leurs techniciens et ingénieurs. Donc nous avons mis en service 287 exploitations agricoles et 52 exploitations agricoles dont les travaux sont terminés, donc leur mise en service est programmé dans les prochains jours, avec un nombre important de 116 exploitations agricoles en cours de réalisation. Enfin, donc, la direction engagera pleinement pour l'aboutissement et la mise en service du programme complet de la wilaya de Mascara. Une opération qui se fait en étroite collaboration avec la direction des services agricoles, qui joue un rôle prépondérant dans cette wilaya. La wilaya de Mascara a recensé plus de 1085 forages à besoin d'un raccordement électrique. À ce jour, on est à 287 exploitations raccordées. Donc cette opération a coûté l'État plus de 740 millions de dinars, 74 milliards. Donc c'est un chiffre très important pour le développement des filières ou pour le raccordement des exploitations agricoles. Donc ici dans la wilaya, on a connu une période critique, un manque de précipitations. On a trouvé une solution pour l'accompagnement des agriculteurs par les techniques d'irrigation d'irrigation d'appoint et l'irrigation complémentaire. Donc on a injecté plus de 9 milliards de centimes, 90 millions de dinars pour le soutien dans les techniques d'irrigation d'appoint concernant les équipements d'irrigation économiseurs d'eau. On cite l'irrigation par aspersion, irrigation par goutte à goutte dans les maraîchages. Selon les instructions de M. le Président et M. le Ministre de l'Agriculture concernant l'augmentation de la de rentabilité, de rendement pardon, dans l'hectare, on a accompagné les agriculteurs par l'accompagnement technique sur des journées de vulgarisation, des séminaires et des journées d'études pour faciliter pour lui comprendre l'itinéraire technique dans cette culture. Ainsi que la CCLS, la coopérative, a accompagné les agriculteurs par l'utilisation des engrais de fond et les le pôle agricole par excellence tente également de propulser le secteur de l'industrie au devant de la scène économique locale en offrant des structures de base adéquates pour encourager les investisseurs dans le domaine, telles que la grande zone industrielle située dans la commune de Tizi. Dans cette même zone, la société Concept Sac a vu le jour, créée en 2015
Et c'est qu'en 2021 que cette entreprise entrera en activité grâce à l'obtention de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle, qui lui a permis de démarrer concrètement son projet qui consiste en la conception et le tissage de sacs en plastique destinés au conditionnement de semoule et de farine notamment. Installé sur une superficie avoisinant les 8 hectares et en fonctionnant avec des machines de pointe, Concept Sac emploie plus de 130 personnes entre ingénieurs, techniciens et ouvriers entre autres qui participent à la production de 30 millions d'unités par an. كان هناك التنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل عن طريق توظيف مختلف العمال الشركة كاع العمال كانوا كاع من على مستوى الولايات المعسكر معناتها الشركة هنا راه النشاط راه جديد وكان عندنا التكوين اومام طو تدريب على مستوى الآلات مع الناس اي كفاء ونحن الان بحوالي 130 عامل موزعة على ورشة الانتاج وعلى الإدارة العامة للشركة. À tout juste 27 ans, Abdeljalil est l'un des plus anciens employés de la société. Cet ingénieur est considéré comme l'un des maillons forts de cette chaîne et la plaque tournante des nouvelles recrues, telles que Mustapha Ersri. J'occupe un poste d'ingénieur en maintenance. Je suis diplômé de l'école supérieure des sciences appliquées de Tlemcen, ingénieur d'état en électrotechnique. J'ai une expérience de 18 mois au sein de l'entreprise Concept Sac. J'ai été recruté via l'ANEM. Pour l'équipe, nous avons une équipe motivée, jeune et surtout une belle ambiance. J'ai appelé l'ANEM et j'ai appelé cette société de Concept Sac. J'ai travaillé dans le mois de mai. J'ai travaillé comme opérateur de machines. J'ai travaillé, alhamdoulilah, j'ai travaillé dans les conditions de la vie. J'ai eu le plaisir de travailler avec les techniciens et avec... الناس هنايا كنت تعلمت فيها ودي اوبيريت على بزاف دي ماشين منهم ثلاثه تاع لي Je ne vais pas dire quatre, une sous-famille, les madeleines, génoises, brioches et pain aussi, pain burger, pain industriel. Alors je suis responsable de marketing et trade marketing, donc éventuellement de faire promouvoir nos produits, de travailler sur l'emplacement du produit, sur la visibilité, sur la commercialisation et surtout c'est un gros travail de communication à faire connaître le produit et créer le top of mind. Les différents produits de Vicky Food se sont fait une place sur le marché algérien au milieu de différentes autres marques. En somme, la société a trouvé son compte vu les chiffres croissants et encourageants enregistrés au fil des années. Ce qui traduit également l'impact positif du produit sur le consommateur algérien. Nous enregistrons bien sûr des croissances annuelles d'année en année, nous vendons plus. Des croissances allant de 10 à 15% par année. Et comme vous le savez, ce n'est pas un projet sur une seule étape, donc il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième étape. Et notre objectif est bien sûr d'atteindre un volume annuel de 20 000 tonnes.
passant par différentes étapes pour enfin avoir un produit de qualité. La chaîne de production est entre les mains de jeunes employés qualifiés, chacun dans son domaine. Tous recrutés via le bureau de main-d'œuvre ANEM. Pour certains d'entre eux, la formation s'est faite sur le tas et sur place encadrée par d'anciens travailleurs, à l'image de SIA. Je suis employée polyvalente dans l'entreprise depuis 8 ans. Comme employée, on nettoie, on fait le ménage, les machines, on travaille dans la machine, les palettes, on met le produit dans les boîtes, on fait monter la palette, on fait tout. C'est ma deuxième maison. J'ai l'habitude, j'aime bien d'être ici. Et ça a amélioré, c'est fantastique. Cette chérica, حققت لي حلم تاعي اللي هو عندي حلم تاع الطبخ ولهذا انا خيرت باش درت لي فورماسيون دو كونطابيليتي لانفورماتيك مي ما نجحتش فيهم مي دخلت لهاد الشركه لقيت راحتي في الطبخ وتعلمت صوالح بزاف من هاد الشركه ومع مرور الايام فت على مراحل حتى اللي وصلت راني مسؤول في القسم تاع المادلان والرولي. كنت داير طالب عمل على ملحقة التشغيل للملحقة تاع مدينة سيق والشركة حطت أنونس خاصها خدامة درت طلب تاعي وبعثوني للشركة درت لونتروتيان تاعي وقبلوني وكي قبلوني معناتها داروا فيا الثقه وانا هذيك الثقه تاعي كي دخلت للشركه برهنتها وكي برهنت الثقه تاعي خدمت عليا وراني مسؤول لحد الان راني ريسبونسابل جو سوي سي ديجا ديبوي 2014 بديت ديجا كوم اوفري بوليفانو من بعد كاين شركه دارت لي فورماسيون في 2015 عليها تعلمت في بديت في الفور دو مادلان رولي Après, j'ai fait une formation pour le four de burger. 9 ans après sa création, cette salle ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage également d'étendre son champ de production et agrandir la famille Vicky Foods. Alors, dans un court terme, c'est justement être présent un peu partout et faire partie des habitudes de consommation des Algériens. Dans un long terme, c'est peut-être, Inch'Allah, agrandir un peu la production et travailler, en fait, lancer d'autres types de produits dans le pain et même dans la pâte. Une fois encore, merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine Echo des Z, qui, je le rappelle, est ce soir à Mascara, l'une des plus importantes wilayas de l'ouest du pays. Et je suis en compagnie de Monsieur Omar Rouhi Wali de Mascara. Encore une fois, Monsieur Wali, rebonsoir et merci de nous accorder cet entretien. Je vous en prie. Alors, Monsieur Omar Rouhi, dès votre installation à la tête de la wilaya de Mascara, vous avez pris conscience de l'importance de cette mission. Et d'ailleurs, sans plus tarder, vous avez donc accéléré la cadence de la machine du développement local déjà en marche, en mettant l'accent sur certains secteurs stratégiques, à l'exemple donc des secteurs de l'industrie ou encore de l'agriculture. Ce sont là donc deux secteurs créateurs de richesses et d'emplois, sur lesquels a insisté le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en les mettant au cœur des orientations et directives lors de la dernière rencontre gouvernement Wali, placée sous le thème « Le développement local, évaluation et perspective ». Alors, si l'on prenait donc comme exemple le secteur de l'agriculture, la wilaya de Mascara est l'une des wilayas leaders dans le domaine avec son potentiel en superficie cultivée qui se compte en centaines de milliers d'hectares et sa production en quantité et qualité. Tout est donc mis en place et en œuvre pour appuyer ce secteur et le développer davantage, toutes filières confondues. En plus du programme donc mis en place, comment comptez-vous, Monsieur Wali, accompagner les projets d'investissement du secteur de l'agriculture ici à Mascara ?
Merci. Je vais vous présenter la wilaya de Mascara, qui regroupe 47 communes, avec 700 agglomérations secondaires et 1100 lieux-dits. Oui. Donc, c'est une wilaya quand même importante et assez grande. Et elle recouvre à peu près 5000 km². Oui. Donc, elle a un caractère agricole et industriel. Mais cette wilaya, comme vous le savez, c'est une wilaya qui est très riche et sa population, qui est de 1 million, elle est faite globalement et elle est très versée vers les activités agricoles. Donc nous avons une population de 1 million avec une population urbaine de 65% et une population rurale qui tourne à voisine autour de 35%. Cette population, elle a comme objectif, c'est faire réussir le secteur agricole, dont je suis témoin et je connais bien cette wilaya. Et c'est une wilaya qui est leader, sinon un peu exceptionnel, en matière agricole. Voilà. Alors, nous avons une production, nous avons à peu près 434 000 hectares, dont irrigués 454 000. Oui. Et nous avons des zones assez importantes, c'est la zone de Sig et la zone de Mohammedia, qui nécessite beaucoup d'attention parce que notre production, soit végétale ou animale, c'est dans ces régions-là. Alors pour la production, je vais dire, végétale, donc nous avons des céréales, nous avons les légumes secs et nous avons des maraîchages. Donc pour une superficie récoltée de 384 000 hectares avec 24 733 000 de quintaux. Pour la culture pérenne, généralement c'est l'arboriculture, alors nous avons au total 98 339 hectares pour une production de 4 907 900. Voilà. Ça c'est pour la production végétale. Pour la production animale, nous avons les bovins, ovins et caprins. Voilà. Et on a fait dernièrement le recensement. Alors nous sommes à 2 142 000 têtes pour une production de viande blanche et rouge de 1 979 000 quintaux. Oui. Donc alors dans ce secteur-là, comme vous le savez très bien, il y a beaucoup de citoyens, agriculteurs qui s'intéressent. Et on a beaucoup de... Donc on a fait une politique... Comment développer ce secteur. Et avec le texte que nous avons et l'encouragement du ministère de l'Agriculture, donc on a donné ces terres, ces structures agricoles, par le biais de la concession. Donc nous avons 19 000 concessions qui ont été attribuées à Nouflin, dont 1038 actes établis et pour un superficie de 3 693 hectares. Alors, situation qui est les concessions, on doit promouvoir ce secteur et on est en train de faire des réunions, puisque les directives de M. le Président de la République et son orientation, c'est d'encourager ce secteur et on va faire une opération d'assainissement. C'est-à-dire, on va vérifier quels sont les fellahs qui travaillent, qui ne travaillent pas. Et dans cette situation-là, je vous le dis franchement, nous avons à peu près 2000 cas qu'on doit étudier cas par cas, puisque j'applique l'orientation du Monsieur le Président, la terre à ceux qui la travaillent. Donc, on va faire un travail, on va voir quels sont les occupants légaux, et quels sont les occupants réels.
Et là, on va voir, et d'après nos tournées, quand j'ai fait les tournées, on a vu que les occupants réels ont beaucoup investi et ils ont réussi le développement de ces exploitations qui aujourd'hui peuvent égaler celles de l'Europe. Voilà. Excellent. Et c'est une, je vous le dis tout de suite, c'est des exploitations dignes d'être visitées. Voilà. Donc on va essayer de faire ce travail. Comment, avec les dérogations peut-être du ministère de la Culture, pour qu'on puisse essayer donc de mettre de côté les gens qui ne veulent pas travailler cette terre, qui c'était les occupants légaux, et on va peut-être, avec leur accord et par une dérogation, donc les encourager parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent. Très bien. Voilà. Le plan d'action que nous envisageons de faire, donc on a 190 projets. Le projet irrigation agricole. C'est en vue. Hein. Nous avons aussi, pour un montant de 90 millions de dinars. Nous avons aussi développé l'agriculture montagne par la plantation. Et nous avons aussi, comme vous savez, Mascara, elle est très connue pour le miel. Donc, on va promouvoir cette activité et on va... encourager, on a une enveloppe de 4 millions de dinars pour encourager cette activité, qui est très importante pour la région de Mascara. Et nous avons, pour une superficie prévisionnelle de 114,665 hectares de labour. Oui. Alors, et nous avons, comme vous le savez, Mascara, c'est beaucoup l'arboriculture, les maraîchers, que les céréales, mais quand même, nous avons produit des millions de quintaux et le nombre de quintaux à l'hectare, c'est 17. Selon les orientations de M. le Président de la République, il faut augmenter ce nombre et qu'on doit dépasser au moins 20 quintaux à l'hectare. Et c'est pour ça qu'on va ajouter 114 000 hectares pour atteindre cet objectif. Alors, vu les chiffres avancés par vous, Monsieur le Wali, la wilaya de Mascara confirme donc son statut et sa place de wilaya leader et pôle agricole par excellence. Et Mascara aspire également à devenir un pôle industriel si l'on compte quelques investissements qui ont vu le jour pour certains bénéficiant de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle au nombre de 74, permettant la création d'emplois et la participation au développement de l'économie locale. Mais il faut dire, Monsieur Louali, que l'activité industrielle reste relativement timide par rapport à sa situation géographique, stratégique et les opportunités qu'elle offre aux investisseurs. Quelles sont donc les raisons, à votre avis, M. Louali, qui font que l'industrie peine à décoller ici à Mascara et comment voyez-vous l'avenir de ce secteur avec l'aide et le soutien prévu pour ce domaine-là? Je ne pense pas qu'elle est timide, hein, parce qu'il y a beaucoup d'activités industrielles et je vous le dis tout de suite, nous avons la région de Mohammedia et surtout la région de Sig qui, elle, depuis longtemps, engrange d'usines de traitement de l'olivier. Pas l'oublier. Donc, nous avons cette activité et nous avons créé 12 zones d'activité. 12 zones d'activité qui avoisine 530 hectares, donc. Et nous avons aussi trois zones industrielles et un parc industriel. Oui. Donc, de total, 530 hectares pour une superficie de 143 hectares qui est déjà utilisée. Voilà. Donc, le nombre total d'investisseurs est quand même de 351. Voilà. Alors, la même chose avec les directives de M. le Président de la République, enfin les orientations de M. le Président de la République, et surtout les directives aussi du chef du Premier ministre. Donc, aussi, on va faire des opérations d'assainissement. Voilà. Donc, on a fait une opération, comme vous le savez, le Président de la République a décidé qu'on lève les obstacles. Alors, il y a deux façons de voir la chose. Donc, il y a les obstacles qui sont dus à l'administration, donc ils sont en train de les lever. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, des obstacles qui sont dus aux industriels.
Donc, dans ce contexte-là, donc, nous avons 98 dossiers. On a régularisé 74 avec des autorisations d'exploiter exceptionnellement jusqu'à ce qu'on va régler définitivement le problème. Ça, c'est pour ça que dure l'administration. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aussi? On doit, avec bien sûr les directives que nous avons, c'est de les encourager, et de les aider et de les accompagner. Donc nous avons beaucoup d'industriels qui ont subi un petit peu le fait de ne pas terminer leur projet à un certain pourcentage. Et à ce moment-là, donc, dès qu'il atteint 30%, s'il ne respecte pas les délais, on a fait donc une action en justice pour les dessaisir de ce terrain et de ce qu'ils ont fait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'investisseurs qui, par le fait qu'ils sont partis en justice, on les a dessaisis de leur terrain et de leur activité, qui était à 30%, donc pas significative. Donc ils sont venus nous voir et on a compris que c'est des investisseurs qui ont eu des prêts bancaires, qui ont investi, etc. Mais ils ont continué. Donc ils n'ont pas été, arrêtés pour ne pas continuer. Donc là, nous avons 6 dossiers. Oui. Donc nous avons 6 dossiers qu'on a saisi le ministère des Finances pour leur dire, bon, la décision de justice, elle est là. C'est des investisseurs qui ont déjà terminé, qui peuvent exploiter. Que doit-on faire? Bon, on a reçu la réponse en nous disant que ça peut se régler localement. Donc on est en train de réfléchir quelle est la méthode et quelle est la procédure réglementaire pour qu'on puisse les rétablir. Oui. Là, ça c'est une... Voilà. Et nous avons aussi les projets qui ont créé, donc ils ont créé ces projets-là, des 74, 4134 emplois quand même. Voilà. Et nous avons aussi le coût d'investissement est de 36 milliards de dinars. Ouais. Donc c'est beaucoup. Donc, et on est toujours prêt donc, à développer ces zones d'activité. Et on a aussi on a été financé pour aussi créer des micro-zones, c'est-à-dire des zones d'activité qu'on appelle micro-zones pour recevoir les start-up. Voilà, les start-up, etc. Et qui sont pris en charge, la ville de Chine est pris en charge par l'État. Et elle est en cours de réalisation. Alors j'ajouterai dans ce domaine que nous avons une étude qui a été faite à Mascara par le CNEAP. Voilà, une étude qui a étudié, enfin une étude qui porte sur les atouts et les faiblesses des 47 communes. Oui. Ainsi que les opportunités des 47 communes. Alors, ce document-là, on l'a diffusé à tout le monde, on l'a fait sur le site de la page officielle de l'argent, et quand même, elle a eu un écho, puisqu'on a eu beaucoup de coups de fil et beaucoup de gens qui sont venus de l'étranger, parce qu'ils ont lu cette étude, parce qu'on l'a mis sur le site, et ils nous ont posé, bon, enfin, on a discuté, etc., etc. On a même reçu des Qataris qui veulent investir en Algérie. On les a reçus, voilà, et on a discuté. Et on leur a donné cette étude-là pour qu'ils puissent venir et on leur encourage pour investir à la Wilaya de Mascara. Alors, les opportunités, c'est l'agriculture, promouvoir les PME, l'aquaculture, le domaine forestier, les substances utiles et le tourisme. Voilà. Excellent. Alors, ces zones sont détaillées et on a fait un système de communication à la wilaya. Quand quelqu'un se présente à un endroit donné, à la commune, à la daïra, etc., donc tout le monde a cette information, il peut l'orienter. Alors, ville historique et touristique par excellence, qui dit Mascara, dit la célèbre station thermale de Bouhnefia, célèbre pour ses eaux thermales aux mille et une vertus. Bouhnefia est la plaque tournant des touristes et des curistes qui viennent des quatre coins du pays, même de l'étranger. On a constaté sur place que les établissements étatiques essaient et tentent de rattraper le retard enregistré en matière d'hébergement et également de prestations de services. En parallèle, des investissements sont réalisés créant une certaine concurrence.
Mais beaucoup sont intéressés, là je parle des investisseurs et également des opérateurs économiques d'une manière générale, par l'investissement là-bas. Chose qui reste en attente en raison des deux ZET, les zones d'expansion touristique gelées, dont les démarches de dégel ont été entamées par la direction de tutelle. Monsieur le Wali, qu'avez-vous prévu pour la prise en charge de ce dossier-là? Bon, il y a un point très important à l'arrêt de Mascara, c'est d'abord, on va faire des circuits touristiques. On va les créer, parce que nous avons, il ne faut pas l'oublier, que c'est une ville historique, c'est la ville de l'émir Abdelkader. Donc, et comme il y a beaucoup de vestiges, donc avec la direction de la culture, on va faire un circuit culturel pour qu'on visite tous ces vestiges-là et présenter aux étrangers, aux Algériens, quand même l'histoire de cette région-là, qui est la région qui est le premier état de notre pays. Donc, à Bahnifir, donc on a 44 établissements pour un certain nombre de lits, de 2642 lits, et dont 427 relèvent du secteur public et le reste du secteur privé. Bon, je vous annonce qu'il y a un investisseur qui est en train de faire une grande étude pour faire une zone touristique. C'est un très grand projet d'ailleurs, c'est un bureau de renommée internationale qui est algérien et qui s'intéresse à ce qu'il reconfigure toute la ville de Bouhnifia en matière touristique. Voilà. Donc nous avons 20 projets d'une capacité de 1138 lits. Alors il y a 5 projets en cours, il y a 2 projets achevés, 2 projets à l'arrêt et 8 projets non lancés. Donc, on a vu avec la direction du tourisme et est en train de réhabiliter certaines zones où se trouvent ces projets-là pour qu'on puisse les démarrer. Alors, vous avez parlé des ZET, il y a 2 ZET de 428 hectares, de 458 dans les deux, 458 hectares. Donc, on a fait la réunion avec la direction du tourisme et on nous a annoncé par le biais du ministère du tourisme qu'ils vont lever le gel pour faire les études de ces ZET. Et nous avons donc fait cette réunion et on a saisi le ministère, on a fait le dossier et il est au niveau du ministère pour qu'il nous puisse libérer les 430 millions de dinars qui vont nous servir donc à aménager ces zones d'activité. Et ma dernière question, monsieur Amaru Abhiwali de Mascara, quelle est la feuille de route de développement local tracée pour la wilaya de Mascara? Et aussi, quels sont les secteurs concernés que vous mettez dans l'ordre de vos priorités, M. Amaru Abhi? Alors, pour la feuille de route, nous avons pris des mesures et en exécution des orientations de M. le Président de la République, parce qu'il y a un principe constitutionnel qui est la démocratie participative. Bon. Qui a été consacré, donc, et on doit la mettre en œuvre. Donc, comme vous le savez, la démocratie participative, c'est un mode de gestion qui est basé sur l'engagement. Oui. Donc, on est en train de... Qu'est-ce qu'on a fait ici à Mascara? Qu'est-ce que j'ai fait avec l'équipe de la Wilaya, avec tous les élus et le staff administratif, enfin, tous les acteurs locaux? Donc, on a démarré à la concrétiser. Alors, on est parti du lieu dit, d'Achara, et on est parti vers l'agglomération secondaire qui est Qaria, vers le chef-lieu. Et nous avons créé, au niveau de chaque commune, le comité de la ville pour concrétiser les besoins, pour concrétiser et écouter les besoins. Parce que c'est ça notre objectif, c'est écouter le citoyen. Donc, on a fait des tournées, j'ai fait un programme de tournées, sauf la Daira de Mohamedia, que je vais faire plus tard, puisque c'est une grande commune qui a. Une grande Daira qui a ses communes, donc je dois avoir du temps pour discuter avec la société civile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a invité tout le monde quand on fait notre tournée, et on écoute tout le monde. Et. Lors de cette réunion du comité de la ville, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on annonce toutes les préoccupations que nous avons reçues par les services de sécurité, que je remercie, par les réseaux sociaux, par les audiences et par le médiateur de la République.
Oui. Donc, on y va avec ça. On les expose à tous les habitants des lieux dits, bon, de ce qu'on appelle la zone éparse, qui est de 1 à 10 habitants, qui est la plus petite unité socio-géographique. Et, ensuite, on expose toutes les préoccupations des agglomérations secondaires, parce que c'est de 10 à 100 habitants, et le reste. Oui. Et en pleine séance, en plein débat, donc, on leur expose et on leur demande si on a oublié ou n'a pas oublié, est-ce qu'on a oublié un devoir, pas du tout, etc. Et on les écoute démocratiquement, avec toute liberté. Parce que la démocratie participative, c'est un moyen de la liberté d'expression. Voilà. Donc, on prend toutes les préoccupations. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on les a écoutés, on les a classés, on les a classés par priorité, ou priorité des priorités. On a fait donc des réunions ici au niveau de la wilaya, avec leurs représentants qui sont les élus, et l'administration bien sûr, et on a tracé, et on a fait un programme, et ce conformément à la loi relative à la commune, qui dans son article 107 dit, enfin dicte, et impose ou exige des élus qui fassent un plan quinquennal, c'est-à-dire de 5 ans durant leur période d'élection. Et on a fait ça ensemble. Donc, on est en train de faire ce plan quinquennal qui est terminé. Bien sûr, avec toutes les préoccupations des citoyens. Et on est en train de faire le programme de 2023. Et il est en train de faire aussi un deuxième travail, puisqu'on exige de nous qu'on doit le publier sur le portail de la wilaya pour dire voilà quel est le programme de développement dans tous les secteurs, oui, de la wilaya pour l'année 2023. Et on doit le diffuser et avertir tout le monde dans toute la transparence. Voilà le programme 2023, ensuite on ira vers 2024, 2025, et voilà, etc. Donc ce travail-là a été fait. Hein, voilà. On n'a pas fait ça sans eux, okay, sans leur accord. Et comme ça, donc, et aussi on leur a expliqué que, voilà, on devrait le faire progressivement, suivant les moyens financiers dont nous disposons. Donc il ne faut pas aller vite. On fera, Inch'Allah, chaque année, on réussira ce développement et on répondra aux besoins de la population. Alors, ensemble, le citoyen est donc l'acteur principal du développement local. Ah oui, oui, oui. Ça, j'y tiens à ça, puisque pour mettre en œuvre cette démocratie participative, on va aussi faire on va réunir les comités de la ville, puisqu'on doit le faire chaque mois, et on va leur faire et l'expliquer et leur présenter le budget participatif. Le budget participatif. Donc voilà, voilà le budget, messieurs, les citoyens, voilà le plan de développement, voilà, il va nous coûter 80 milliards d'INA, etc., etc. Et voilà comment on va financer le développement local, en expliquant comment financer le budget. Nous allons redémarrer des projets en souffrance, nous allons lever les obstacles de tous les projets, pour la création d'emplois aussi. Nous avons fait ce plan quinquennal, donc conformément au code communal. Nous avons fait un dossier qu'on a initié et on va le continuer, c'est surtout la fiscalité communale. Voilà, ça c'est notre monde. La fiscalité communale, c'est-à-dire on va sensibiliser le citoyen qu'il doit payer un service rendu pour qu'on puisse financer le budget. Et input, output. Voilà. Nous allons aussi faire un dossier aussi qui est en cours, c'est la reconstitution et la valorisation du patrimoine communal. Oui, c'est très important, parce que nous avons beaucoup de... Et nous avons aussi fait le recensement du cheptel. On a arrêté, mais on doit le continuer. On doit aussi continuer l'assainissement du dossier foncier. Oui, donc les concessions, les champs de labour, etc. Nous avons aussi faire un plan de logement pour satisfaire donc les besoins de la population. Nous avons aussi
développer de plus en plus les 4 zones industrielles dont je vous ai parlé et les 12 zones d'activité et par la création de 8 autres. Oui. Voilà. Et nous avons aussi encore dynamisé les comités de la ville, parce que c'est le seul lieu où on peut instaurer un débat démocratique direct. Je dis bien direct, avec le citoyen. Pour qu'il n'y aura pas de doute, etc. Et nous avons aussi, on va faire aussi la gestion des requêtes des citoyens, celles que nous recevons et celles que reçoit Monsieur le médiateur de la République. En plus des projets qu'on a réalisés ces 3 dernières années, qui sont de à peu près 1580 projets, qui nous ont coûté 84 milliards de dinars, dont les zones d'ombre, qui nous ont coûté à peu près 8 milliards de dinars. Donc, dans cette perspective, et durant l'année 2023 aussi, on a prévu 233 opérations qui vont nous coûter 5 milliards de dinars, sans oublier que nous avons 2 très grands projets qu'on doit relancer. C'est celui de l'aéroport de Rélis. Donc, on est en train de discuter avec Air Algérie, s'il veut bien, nous ouvrir cet aéroport, au moins pour faire des escales. Alger vers Tindouf, Alger vers Béchar, Alger vers Adrar, qui nous ouvre. Et surtout, surtout, surtout ce qu'on nous voudrait de cette direction générale, de l'ouvrir pour recevoir des avions cargo, qui nous permettraient donc de soit d'exporter, soit donc d'acheminer cette production agricole qui est très importante et que des fois, ça fait mal de l'avoir ne pas être consommé au niveau local et ça profiterait à d'autres wilayas de notre pays. Voilà. Et nous avons un grand projet, parce que je vous ai parlé d'atouts et d'opportunités. Nous avons aussi un très très projet, un très grand projet qui coûterait 68 milliards de dinars. Qui est la pénétrante Oran-Mascara, qui est de 43 km. Donc cette pénétrante, elle va, bien sûr, s'ajoute le port de Mostaganem, ainsi que le port d'Oran. Donc cette pénétrante nous permettra donc, ça sera une voie de communication qui va encore encourager l'attrait des investisseurs. Alors nous avons réalisé jusqu'à maintenant que 8 km sur les 43. Et il y a les 17 km qui restent avec un groupe algéro-chinois qui sont à 87%. Et on a mis au point avec ces entreprises. En principe, nous, on aura le reste, les 25 km, enfin les 17 qui vont faire 25, en principe, la fin du mois de mai ou juin. Et nous avons un autre tronçon qui est de 18 km qui est réalisé par le groupe algéro-espagnol, et qui sont à 57%. Donc, et on nous a promis qu'il serait livrable peut-être vers 2025. Et c'est un projet qui accuse un retard quand même important. Et le mieux est de terminer et ouvrir la wilaya de Mascara à toute initiative qui sera prise par, surtout, l'ensemble des investisseurs qui veulent investir chez nous, et surtout le tourisme. Et comme ça, on aura fait le tout. Voilà. Monsieur Amal Wabhiwali de Mascara, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et aussi accordé de votre précieux temps pour répondre à mes questions pour le compte de l'émission Echo des Aides sur Canal Algérie. Merci. Eh ben, je salue la chaîne de Canal Algérie que j'aime beaucoup. Merci. Et elle m'a toujours invité quand il s'agit de discuter des collectivités territoriales dont je suis fier. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, voilà, nous arrivons à la fin de Echo des Aides, ce magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens.
ce soir consacré à la wilaya de Mascara. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission, à l'image Amine Touroum, également Fares Mchner qui a assuré par la même occasion le son au script Anasiham Maafa, au montage Zantar Ariles, et sans oublier Amine Hamzaoui. Un grand merci également aux autorités locales qui nous ont prêté aide